Tout le monde me prend pour le garçon de course. William. T'aurais un moment ? Schon wieder mit dieser Unsinn! Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? Velasquez, je veux avec toi. Comme ça. À jamais. On y arrivera, William. Promis juré. Finissez vos petites affaires, on va partir. Mais pas tout de suite. Écoute ma voix, Blazkowicz. Là où tu es, dans les tunnels d'égout, l'appareil intestinal de la ville, et plus profond encore, les catacombes de Berlin. Un vaste complexe, le site le plus sécurisé de Berlin, le stock central de munitions du régime nazi. On pourrait faire tant de choses avec ces armes, émeutes, révoltes. Cette voie d'accès est bloquée par les eaux, impénétrable aux étrangers. Il n'y a qu'un seul moyen de forcer le périmètre. C'est un glisseur sous-marin, les nazis s'en servent pour la maintenance. Il nous a fallu des années pour le remettre en marche. C'est la première étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Seine. Utilise le glisseur pour trouver un accès au dépôt d'armes dans les catacombes de Berlin. Anya suivra ta position grâce au transpondeur et elle te fournira des informations tactiques. Bonne chance, Blazkowicz. Ces eaux sont dangereuses. William, tu m'entends? Tu vas devoir traverser les tunnels des égouts pour atteindre les catacombes de Berlin. Je vais essayer de te guider. Tu devras peut-être descendre du glisseur pour supprimer les obstacles qui te barrent la route. Mais n'oublie pas où tu l'as laissé. C'est ta seule source d'oxygène. J'étais un gamin, et la vague rouge arrivait. J'ai désobéi à mon père et je me suis plongé dans l'eau. C'était comme si ma peau était en feu. Eisenwald. Caroline m'a dit que quelques prisonniers avaient essayé de s'évader par les égouts avec des objets de valeur il y a quelques années. Ils ne sont pas allés très loin. Tu devras nager à certains endroits, là où le glisseur ne peut pas passer. À 13 ans, je suis tombé dans la mare, près des étables. Je suis rentré couvert de sangsues. Thank you.
quelque chose que je voudrais te dire. Je suis en train de lire un journal que m'a donné ma grand-mère. C'est celui de ma cousine Ramona. Elle travaillait avec nous à la ville. Elle est morte depuis. Mais elle protégeait de nombreux secrets. Comme elle ne pouvait se confier à personne, elle a tout mis par écrit. Je vais t'envoyer les messages radio dans ton journal. Tu pourras les écouter si tu en as le temps. La section dans laquelle tu te trouves est désaffectée depuis longtemps. Mais certaines machines sont peut-être toujours en état de marche. Servait à réguler les débordements. Tu vas devoir trouver le moyen d'atteindre la plateforme de l'autre côté. Bien joué, William. Dans la dernière section, il va falloir nager. Les catacombes ne sont pas loin. À 11 ans, j'ai traversé le lac Forni à la nage pour gagner un pari. Mais il y faisait moins sombre.
J'ai plongé dans le puits pour sauver la montre de mon père. Mais c'était bien moins profond. Directement au dépôt d'armes. Bon travail, Blazkowicz. Tu as réussi à t'introduire dans le dépôt d'armes. C'est la seconde étape du plan pour accéder à la cachette sous-marine de Seth. Tu trouveras un train de marchandises dans l'un de ses entrepôts de munitions. Il est rempli d'armes à feu, d'obus, de torpilles. Tout un arsenal destiné à alimenter la machine de guerre nazie. Tu vas voler ce train. Les armes à feu pourront nous servir à renforcer nos combattants, mais notre priorité est de sécuriser les torpilles. Elles te permettront de prendre le contrôle d'un sous-marin nazi. Mais chaque chose en son temps. Vole le train. Trouve le train et conduis-le à la gare souterraine abandonnée au nord d'ici. Notre équipe t'attendra là-bas. Klaus t'en dira plus quand tu le rejoindras.